certain de son humour, dedans le chocolat de vos cœurs. Votre animateur, Daniel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh oui, c'est la Saint-Valentin très bientôt, hein? La fête de l'amour. Je vois déjà le monde qui a des larmes aux yeux, là. c'est incroyable le nombre de livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Je parle pas des romans Arlequin, des choses comme ça. Je parle plutôt des livres pratiques, tu sais, comme par exemple, je sais pas moi, le guide des caresses. Disons, moi, quand j'étais chez les scouts, j'avais plutôt connu les caresses des guides. C'était une salle comme ça. Il y a aussi, je n'avais vu un livre, Cuisine érotique pour micro-ondes, tu sais, pour ceux qui sont pressés. Non, mais des livres comme ça, il y a un public à tonnes chaque année, hein. C'est vraiment incroyable. Moi, je trouve ça un peu bizarre, parce que finalement, je sais pas, j'ai jamais eu besoin de livres pour ça, Alors, je vais pas me vanter, là, tu sais. J'ai pas le choix, là. Juste donner un exemple, moi, au centre de main-d'œuvre, je n'étais pas inscrit comme comédien, hein, mais comme aphrodisiaque. Pour vous donner une idée comme ça, j'allais inviter une fille à danser, à tomber sans connaissance. Ça, j'avais appris à mettre l'antisudorifique, là, tu sais, mais quand même, j'ai tellement embrassé de filles quand j'étais là, j'avais de la corne sur les lèvres. C'était vraiment effrayant, tu sais. C'est pour ça que moi, quand la Saint-Valentin arrive, ça me fait un petit peu peur, tu sais. Mais je trouve ça drôle quand je vois des gens comme Dustin Hoffman, Sylvester Stallone, tu sais, dire qu'ils sont tellement populaires, ils n'ont pas de vie privée. Je ne sais rien, ça, hein? Moi, je suis obligé de porter des lunettes de soleil tout le temps. Non, mais c'est dangereux le soir, ça, quand même. Tu vois absolument rien avec ça. Ça occasionne des problèmes. Dans le fond, j'aimerais ça ressembler soit à Claude Ryan ou Gérard, même. Hey, wow, minute. T'es un peu plus beau que Claude Ryan, quand même. J'ai de l'Atlas, moi. Ouais, c'est vrai que t'es moins laid. En tout cas, de toute façon, on va parler de la Saint-Valentin ce soir un peu avec...